Monsieur Dame Tangle Cookie. Merci Nabino Banso Bozola na biso de partout, chers compatriotes. Congolité, batobazuma na ondre tozali ko sala ba jeu, mais au moment où je vous parle, tozoyoka que Alexis Tambamwamba azana kata ba démarche ya kozongela nationalité na ye belge. Eza ya solo to eza ya lokuta. Chers compatriotes, ce sont des choses où et singili été à biso lelo et toyeba que dans quelles circonstances Alexis Tambamwamba azana posa azongela nationalité belge et il veut concrètement faire quoi? Est-ce que Azana et Loko Azana Kokatia Kokimanto Ezalite Sikoyo proposition à Noël Chani Ezali na place na yango to Ezali na place na yango te Bande Kobalandi Tango Koki to Loba Peto brossé en plus parcours ya bien sûr Alexis Tambamwamba na République démocratique du Congo baisse de prix ya biloko na RDC et fait que Oyo Azali Fédération ya ba entreprise congolaise ba telemeli yango balobi gouvernement congolais ko kitsa biloko lolenge wana te po bango ba kosala ba perte belé et singeli ba yebana no kosolola ba yebanini ya kosala chers congolais voilà des choses qui nous intéressent d'abord aujourd'hui ya moto kota na ba dossier mususu au courant de la journée mais aujourd'hui tozo bandana keshba keshomi balé oyo po toye ba nini singeli to lobana bino pe boye balolenge nini esengeli to tambola na sengonyoso merci na bino banso bozola na biso de partout gims lokumu pe lumumba dida bazali awa pona kosunga biso na ngambo ya technique Eric Kiswaka toujours avec moi sur ce plateau de père et de mère original bato bulara ke tozana posa ko lobela ngoli susu teme lelo eye eye to lobela kango deja me bato baye bakate ke to chaka ndemwa pause to tala nengi eko kende moto moka segi senga na Facebook akomi makambo de père de mère bo lobela ngoli sute pona nini moka reponde la bi mati peso e bete senga na père moko mitante to zongeli siko so mite sili voilà to zongi mbala to zongeli siko très bien to yoki ke ya moto ko tra muzindo o lobi ke na na est kuna bombe betaki ouais bato bazoki makasi ouais ba théoriste ba bora yibo mouvement djihadiste pour benga ngobongo oui ba IDF bien sûr ba IDF ba to ba linga kimisa la mboka te voilà donc depuis état des chefs des avana benza cop na bango chez baby ba politique ou baza pe inclin na kati wana et si aussi ba militaire baza inclin na kati wana lobby bombe betaki kuna na minute to ko loba gouvernement provincial ya Nord Kivu a suspendre ba université de Salaté ba école de Salaté ba restaurant de Salaté tout est bloqué actuellement ba pendant au moins peut-être 48 heures pour Mikako Salaté. C'est le message qu'on veut donner au président Félix Tshisekedi. Non mais c'est pour les dire qu'on ne veut pas le voir là puisqu'il avait promis aux gens qu'il va se résider là-bas. Lelo Félix azana est ba baro le belango mingité azana puisque alingi ko tala yemo na misu na yema kambuza ko leka kuna po cha kimia. Alors bango ce mouvement va se saliwana za pona ko bangisa moko za mboka et puis ko bangisa ba donc il veut récupérer la partie pona ko ba kota neza ya bango. Or le président a dit qu'il ne va pas lâcher. Alors ba ki yango to ko répéter ngo ata soki alobi ete si je réussis à instaurer la paix à l'est de la République démocratique, je dirais que j'ai réussi ma mission. Donc ils allaient mission naïe. Parce que bato bako sala musala pour sala bango détermination bango ils pona ko bangisa bato. Non, une façon de saboter les efforts des efforts chef de l'état. Mais surtout l'état des sièges état des sièges avant voilà. Puis kola ki sai ke présence na yo a to banga ngote to banga ngote lungwa ouais to banga ngote mais baibi penza le président de la République c'est quelqu'un qui ne lâche pas non c'est une bonne chose pour o basali balakisi ke baza et le kola balakisi bazali bien pe alakisa ngon ki aza président lorsque ozo défier président de la République et la kisi ke oza makasi et tant oza makasi ezo tinda kaka ke to comme on a point ya kola ki sape makasi na biso c'est un message fort qu'on a lancé au président Félix Tshisekedi pour saboter d'abord son action il y a état de siège et bazana pour ça va mettre yé à mal pour ko bomaye peut-être plutôt pour na ko sala buzoba on a sabotage vraiment total il y a onyo sa sala mais je pense que le président Félix Tshisekedi n'est pas quelqu'un qu'on peut intimider facilement comme ça et céder donc le président Félix Tshisekedi ne cède pas à l'intimidation et à Mickey Boye. Ce sont des lâches. Des aigris. Et entre autres, Kaka Batopé, Bazana Katia, Mbo Cannabis, Oyo Bazat de Mèche avec ces bandits-là, des moutons à Zolingako désarmés.
Mais vous devez savoir que la République démocratique du Congo restera toujours un pays où il y a tout ça la macambo mituya, mais tout ça la macambo minene. Alors wa biloko wa mikie mikie boye kubangi sa bisoté. Et kubangi sa RDCT voilà. Et bazan pour ça peut-être pas traumatiser des sous population. Yangambo wana pour na koloba ke oyé a wa tala macambo zo comme la biso et consort. Non. Ezamu pepe et koleka. Très bien. Et puis pour na ça semaine où tu koleka président de la République Azaki reçu na Rwanda, conférence. C'est tout un sujet au Togo. Azaki pe na Rwanda Goma, je voulais ajouter certainement aujourd'hui guerre à l'est, c'est vrai que on parlait du Rwanda, du Burundi qui va bien infiltrer, mais nous vous disons que le président a fait une très bonne diplomatie au niveau est de la République aussi au niveau de Rwanda Uganda. Tout le monde écoute image me recevait ici sur ma case les militaires rwandais, les militaires congolais. Voilà. Pesani Mbote, ils étaient, on a senti réellement que c'était vous sentez réellement que les deux voisins il y a pas vraiment eu des soucis, il y en a bateau, oh non, le militaire rwandais sont là et tout ça. C'était puisqu'il y avait une faiblesse au niveau de l'État à l'époque, mais aujourd'hui, nous rassurons les gens que la politique qui mène le président de la République fait en sorte que tous à la très bien avec nos voisins, les neuf voisins, bah, Rwanda, Rebisso, et ils ont ça la Kemboka et ça la Malam. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau est de la République et nous rassurons à ceux qui nous suivent que. Déjà, le gouvernement provincial a eu contrôle dans ma campagne qui appartient à Est et Bombouana et la situation elle est maintenant gérée. Je crois que dans les 48 heures où il y aura vraiment des sanctions graves et puis on pourrait mettre la main sur ces bandits où il y a des mécanismes congolais, puisque nous savons que nous sommes déterminés à apporter la sécurité à l'Est de la République. Et surtout, ça, c'est très important. Chers compatriotes, nous continuons toujours. Na kosa la banalise na biso comme to mesana toujours kosa la yango to ko bangelo ko mokote état de siège na est wana et si et baby si ba kopi ya batu belé ba kopi on ezaya batu o musala na bango ezaka ka po ba bénéficier na minerai na biso illégalement ba bomisa ba congolais na bazamba na ba village mboka na biso ezala insécurité ezala bataille humaine ezala bon. Et ça, c'est ce que je veux dire. Tout à fait. Boucherie, je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est que je veux dire. Tu as dit que tu as Alexis Tambo Mwamba. Très bien. Alexis Tambo Mwamba, tu as dit que tu as changé ou as changé la nationalité. Il y a Belge, sa nationalité belge. Et ça, il y a solo tout et ça, il y a Lukuta. Ce qui est, il y a Lukuta, tu as panza. Mais ça, Joana, tu as salamabe. Mais ce qui est, il y a solo. En fait, on aurait appris que au Moni, Bablo Reza au Salé, puisque on sent que quelque part la justice congolaise est en train de vouloir faire son travail pour récupérer tout ce que ceux qui nous ont dirigés ont acquis, hein, Nandegui Amabe. Les Loébi, ceux qui congolais à Zalagi n'a deux nationalités, à Ibi a détourné, à Kimi a Boakishi a abandonné la nationalité congolaise, à Kégolo, non, je suis citoyen belge, je suis citoyen américain. Donc, poids à la poursuivité. Okay. Donc, c'est une manière. Il y a bango et ça là. Puisqu'ils ont compris que l'État, le gouvernement, ou également l'inspection générale des finances, commence à fouiller ou à suivre des gens de près pour répondre devant la justice. Déjà, on aurait même appris qu'Alexis Tambo devrait être interpellé au niveau de la justice, conformément à détournement ou au niveau de la Sénat. Il a beaucoup de dossiers, il faut le dire. Avion va bombarder, Makambe Bele va infiltration, même il a fait partie de la Bloukaba RCD, il a fait partie de la Bloukaba Rébellion. Toutes ces choses-là, nous savons comment ça s'est fait. Alors, la justice fait son travail. Mais nous, on a appris, nous, on ne les confirme pas ici, mais nous disons simplement ce que nous avions appris, qu'il est prêt à renoncer à sa nationalité. N'est-ce pas congolaise pour cause de nationalité n'est belge de voies et moyens pour parce qu'à ça la pour ça qu'on s'est protégé à l'ingéte battu à Belgique va protéger. Mais si ça verse là, c'est ainsi que nous sommes toujours, j'ai toujours dit, il faut notre constitution à nous, et Zagita est sur mesure, il faut retoucher la constitution. C'est vrai, la double nationalité elle est importante, oui, c'est vrai, la double nationalité elle est importante puisqu'aujourd'hui ça permet à ce que. Qu'il y ait ce qu'on attend par des échanges entre le pays et également aussi qu'il y ait des gens à double nationalité qui ont quitté le Congo, qui peut-être les États-Unis, qui peut-être le Canada, la Grande-Bretagne, qui est comme ça, la Missala, qui est quoi apprendre, de pouvoir rentrer au pays pour investir. Mais attention, dans les trucs, il y a des pères et des mères. La question maintenant, il y a qu'à gérer l'institution ou l'exalité, c'est-à-dire la présidence de la République.
tout président du Sénat, tout président de l'Assemblée nationale, il faut les la verrouiller. Et c'est important. Prenons l'exemple du cas de M. Alexis Thambwe Mwamba. Il a été sénateur, président du Sénat. Avec tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il veut maintenant fuir la nationalité congolaise pour avoir une autre nationalité pour se protéger. Et c'est pourquoi quand le docteur Tchani nous dit qu'il faut verrouiller, n'est-ce pas, la présidence de la République, la responsabilité Moussousou et Zali, la fonction à l'Ikolo, Zali, discrimination. Mais regardez la preuve qui nous montre réellement aujourd'hui que très bien. C'était important de le faire. C'est là où vous portez les sous-sous. Dans les sous-sous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que chers compatriotes, Oebi, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Ayena ba Rwandais Awa. Mouzé Laurent Désiré Kabila, Ayena ba Rwandais, ba Bebani, a Bengani, ba Ngonyonso. Les Rwandais, au Bazaki, ba militaire, au Bazaki, ba civil, tout le monde avait fui la République démocratique du Congo. Tout à fait. Puisqu'il y avait ce qu'on appelait chasse à l'homme à Kinshasa, ici, presque partout. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais dans le Kasaï. Et dans le Grand Kasaï, on voyait les Rwandais venir, bazo les Kalabakolo, bazo Kende, Nambo Kalabango et consorts. Ça, c'est de un. Batu Oyo Bazongi, ça, ba Rwandais, Nambo Kanabiso avec force et dans les institutions. Et ça, groupe Yabalexi Thambwe Mwamba. Groupe Labango. Groupe Yabalexi Thambwe Mwamba, ça, groupe Yabanani. Alexis Thambwe Mwamba, Azares Robert Roy, ba Mende et les autres. Moutouba Sala. Mouvement la bango ya RCD puisque RCD est qui soutenu par le Rwanda oyo ayaki nango Mouzé Laurent Désiré. Pourquoi puisque RCD le Rwanda nako bengango phase de mécontent puisque le Rwandais chassé humilié par Mouzé et pour bazonga ba ko se venger il fallait utiliser les soi-disant congolais, les Thambwe Mwamba, les Robert Roy et les autres, tout le monde est venu. Baye kouya na bango puisque Thambwe Mwamba aurait fini l'étude na na Burundi au Thambwe Mbata lobakake un constitutionnaliste à l'université à Burundi a ibaka été. Il s'adresse à Thambwe Mwamba. Tout à fait. Mbata baye ba raté biso to kota kana mozindo pour na kobimisa komikobimisa bokoko na bena bokoko. Tout à fait. Komisa bokoko oyo. Et maintenant bato bazongisa ba Rwandais avec force na mboka na biso ba Thambwe Mwamba na bato mosusu. Ba bandi ndenge nini? Les camarades nationalités qui sont dans la City. Tant que vous avez un contrat, vous avez un contrat, vendre les sous de camarades nationalités. Tant que vous avez vendre les sous de camarades nationalités, vous avez un contrat. Vous avez un Rwandais qui est dans l'institution. Vous avez un Rwandais qui est vice-président. Vous avez un Rwandais qui est dans le roi. Et Mati, Nenge, Matawana. Vous avez un Rwandais qui est dans le bango. Vous avez un Rwandais qui est infiltré dans le roi. Et tu vendi wana to suki bongote. Thambwe Mwamba comme ministre, il y a ceci, ministre, il y a cela, ministre, il y a ceci, ministre, il y a cela. Aujourd'hui, sénateur. Bazongi, avec force, dans l'institution. Et Thambwe Mwamba, aujourd'hui, président du Sénat, président du Sénat. Thambwe Mwamba, président du Sénat, tu as dit que tu as une nationalité, belge et consort. Thambwe Mwamba, quand tu as RCD, tu as un avion, tu as un avion, tu as un avion. Président du Sénat. Président du Sénat, bandit qu'on dirige. Pendant qu'on réfectionne le Sénat, le bâtiment du Sénat, Makambo, président Bahati a zokota en fonction comme président du Sénat. Mais vous vous imaginez qu'il y a coûté kakamu tokamoko. Mais tokamion soekenda. Va récupérer en. Quelques jours après, il y a Makambo, il y a 9 millions de dollars américains. Dossier dans la justice, c'est comme l'Andelaye. Et ça, dossier à l'Iboso, va tout l'endroit de la justice, dans le monde, on a mis sauté. Pour dossier à l'Iboso, on a l'endroit de la tamoumama de la justice. Et ça, là, qui dossier nini, il y a Bijugo, il y a Oyo, a fini Bijugo, il y a un traitant, il y a un dénigno sur l'ingaki. Au bani, il y a tamoumama, il y a pour lever l'immunité, il y a tamoumama. Donc, au regard, il y a Nyons Oyo. Thambwe Mwamba a tout simplement fui la justice congolaise. Et il veut s'échapper à la justice congolaise. Si et seulement si, Oyo Nyons Oazo Lobanaye, ils allaient vrai. Ce qui est Wana Azana Kati, Yako,
qui ment justice congolaise. Puisque il ne saura pas affronter la justice. Tout à fait. Tous ces gens-là ne sauront jamais affronter la justice. Ils savent très bien que Bazana a un cadavre dans leur placard. Ils savent très bien que Bazana a un cadavre dans leur placard. Ils n'affronteront jamais la justice. Tout à fait. Tinao wapi Bazabongo. Et ce qui me fait moi très mal, nous sommes restés pendant longtemps dans ce pays. Avec une constitution qui dit la nationalité congolaise ali moko et que tikala jamais kozala en concurrence la nationalité moussous. Mais nous avons un parlement, une assemblée nationale et un sénat composé na bato bazaka na ba double nationalité. Et nous on a fonctionné comme ça pendant longtemps. Vous trouvez ça normal? Et on nous dit que Joseph Kabila, avec Mamoné, parce qu'il a état de droit, parce qu'il est père à la démocratie, il y a Kindo, Kito, il y a Bonzambé, Kakaboué. Donc on a dirigé ce pays, Mokanabiso, et tamboli pendant Joseph Kabila, n'a pas tout cas, il y a double nationalité, n'a pas gouvernement, et l'Assemblée nationale, et le Sénat. Tout à fait. En quoi la constitution congolaise était respectée? En quoi la constitution congolaise était appliquée? On a une constitution congolaise Oyo et Zakawana toujours pour n'a côté le peuple taillé sur mesure. Taillé sur mesure mais bango moko batikala koto sa yangote. Horrible mon frère. Imaginez Roger Lumbala, fille ministre dans ce pays. Sous 1 plus 4 Roger Lumbala. Tolungo magamo 1 plus 4 toyé tout Roger Lumbala fille aussi député dans ce pays. Mais Roger Lumbala Akimi awa tu qui azana M23 M23 kadi ce qui Burundi ce qui Rwanda après qui Russie toyo kanini kazala ka français yo sala ka français et ngaza ka français citoyen français ya wana récemment m'a interpellé qui pour m'a interpellé pour citoyen français sala ka français et ngaza ka français mais ici il fait la politique avec double nationalité mais c'est drôle comment peut-on passer la double nationalité faut pas cela la politique et ça n'a pas de sens puisque constitution déjà éboui. Le jeu politique est réglementé par la constitution. Parti politique est en cas de sa constitution. Constitution dit Moutoulobi que ce sont des partis politiques qui ont été formés, qui ont été formés, qui ont été formés. Mais comment expliquer? Il y a déjà constitution où ils ont réglementé un sujet politique et Pekisi Makamboya double nationalité. Mais il y a aussi la double nationalité aux présidents et aux partis politiques. Et aux postulés, tout le monde a été député national, député provincial, sénateur. Il y a eu un peu de ministre. Mais ça n'est rien quand même un instant dans notre pays. La constitution est toujours réglementée, mais en quoi cette constitution a été respectée? Elle a été appliquée comment? Tout ça, on a évolué dans le cas de Kabila, dans le cas de donc Kabila n'a jamais été congolais pour bien dire. Puisque hier, ma camionneur se va dire là qu'il peut y être. Tout à fait. Et aujourd'hui, dans le moment où il a sali Oyo Yamabe, il y a un peu de temps. Il paraît-il qu'il n'est pas au pays. Semble-t-il qu'il n'est pas au pays, il serait aussi en Europe. Osana Mboka, tu as qui est-ce qui est en Europe? RDC, ils ont gagné, ils ont perdu. Dans tout ça, c'est le pays qui perd. Dans tout ça, c'est la heure de ce qui perd. Puisque aussi longtemps que Kosa Kaka dirigé par des mercenaires comme ça, Kosa la Kaka na perte. Puisque yazo dirigé na ye. On te mana isa awate. Loyauté oyo et Noé Chani a soulevé là. Isa awate. Ako kanga manambo kana binoté. Aye binaye que ce qui est baby nango awa na ki nangai. Boko tikala jamais Kosa mi beko oyo kuya pour échanger mboka. Un tel monsieur ne peut jamais mettre en place un système pour éradiquer, par exemple, la corruption. Tout à fait. Un tel monsieur ne peut jamais mettre un système pour bloquer les infiltrations. Ce monsieur ne peut jamais travailler contre les impunités. Il ne peut jamais travailler contre l'enrichissement illicite. Tout à fait. Il ne peut jamais travailler également contre détournement des deniers publics. Lui va travailler dans le lengua. Climat moko ya bien pour naïeza la toujours mise en place pour a gagner au union souya lingi pour aibi ke ezo profiter naïe na nyonso
Mais entre-temps, c'est le pays qui perd. Mm. Et quand le pays perd comme ça, c'est le peuple congolais. Où est-ce que le Kokolia? Où est-ce que le Kokomela? Où est-ce que le Kokolata? Pour Otalina Sénat, Sénat a des sénateurs, Sénat a des administratifs, et Sénat aussi, Batunyo Swana Baza, un personnel Wana Bazo, Salam Salam Sénat. Mbongo Oyo Bazo Lobake a détourné. Une affaire à 9 millions de dollars américains et une autre somme importante. Et c'est là qui est destiné à Nini. C'est ça le problème aussi. Pour ceux qui ont bah, détourné, ok. Mais bon, on les a qui est destiné à Nini. Admettons que cet argent était destiné à paiement, il y a un fonctionnaire, il y a Sénat. Ma botte à combien? Il a l'inan zala. Admettons que bon, on les a qui est destiné pour na, les Kamouita, les soins médicaux, il y a un sénateur. À mettre vie à Baninga en danger. Admettons que mon on est destiné pour na cas y'a bas maladie y'a bas tout nyonso. Bon on va au bas belaki. Ceux qui sont destinés pour na bas cas sociaux. Bon on va au bas tomber na bas problème. Tu vois comment bas décision y'a bas malfaiteur lorsque et quoi y'a ka n'est-ce qu'un bas catastrophe. Ça n'a le bas créé y'a bas catastrophe. Ma décision va malfaiteur. Tout à fait. Puisque un mercenaire, lorsqu'il se décide à conduire, binon, il est sans pitié, il est sans cœur. À cause de ça, il y a monté manezo sepelisaye pourvu que à s'enrichir. Mais quand lui s'enrichit, bah tout monsieur va t'écaler pas la passe. Bah tout monsieur va t'écaler la passe. Voilà pourquoi on dit. Il faut favoriser la loi de la, sur la congolité avec Noël Tchani. Pour ceux qui t'aiment moins mwamba, ndenga za boye. Azala ki na nationalité mon société. Alenga ki mela ici ka mon côté. Alenga ki azala kaka a. Très bien. Au monde. Alenga ki azala kaka a. Maintenant, nous serons devant un fait accompli. Entre deux pays qui risquent de s'opposer. Na lo lengeni. Le Congo dit à Mwamba, c'est un sujet congolais. Le président Yassena, il est poursuivi à cause de ça, 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 ça. Mais Belgique a le but, non. C'est un sujet belge. Chez nous, il n'a pas commis un péché ni une infraction. Chez nous, il est libre. Nous sommes tenus par l'obligation de le protéger. Le Congo va créer la guerre à la Belgique? Non. Le Congo ne va pas créer la guerre contre la Belgique. Le Congo va rester Congo. La Belgique va rester Belgique. Tout à fait. Et la Belgique est plus puissante que le Congo. Et la Belgique a de l'influence sur le plan mondial que le Congo. Et la Belgique va dire mon et tout le monde va écouter. Et la Belgique va protéger son citoyen. Et dans tout ça, c'est le Congo qui perd. Comme c'est le Congo qui perd, Makambo oyo fonga la bato siko matoyi. Très bien. Va comprendre que ces gens n'a pas double nationalité. Ces gens au baya kapona kopié biso ko kende baza batu o il faut ko tire bango barrière. Et barrière wana ezali kambo o itali loi Tchani. C'est-à-dire oza congolais de père et de mère, oza na nationalité mususu te et consort, yaya okozala président de la République, okozala président ya Sénat, okozala président ya Assemblée nationale, okokipe poste ya fonction de souveraineté na kati ya gouvernement, tu seras la nerf, tu seras à la demia pombo kanabiso ezala la kimia e ba kotambola malamu. Po avec biloko autre zomona na tambo mwamba. Ça laisse à désirer. Tout à fait. Et puis ezo sunga mbo kanabiso kende libo sauter. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Bato ba ko comprendre makamususu ke bato wana ko kanisaka ke chani azo s'occuper na katumbi. Maintenant makambone tu beto katumbi ba ko ko bien nga biso ba expliquer biso ke chani avait tort ou raison, ke ta mwamba bien fait ou mal fait. Voilà makambo biso to teleme. Voilà makambo o penza o yo docteur Noel Chani azo tala. Le gens n'arrivent pas à ko comprendre ba vérité en face. La congolité a sa place. Tamo Mwamba vient de nous le prouver maintenant. A outi ko la ki sa biso ke so ki bo luki ko verrouiller ba poste na bino nyonso ba fonction oyote biso ba mercenaire to kozala wana toujours pour na konya tabino pour na kosala bino ma man anko. Tu vois, c'est ce que Tamo Mwamba vient de nous montrer. Très bien. Alors les gens oyo bazo télé mena no wechan oyo ba lingi ko soutenir le kamba congolité te oyo bango ba moni ke bango ba kozala na pasi
botala siko yo koma Congo ezozanga mbongo ezo perdre une affaire il y a 9 millions de dollars américains puisque avec ces 9 millions chers compatriotes 9 millions oyo c'est beaucoup d'argent oyo kokati ko songa siko yo bato bazoba ba misala kozala na mitema ya malamu pona ba militaire bato bazala na mitema ya malamu pona ba enseignant bato bazala na mitema ya malamu pona ba soldat ba policier ba infirmier et consort mais maintenant que les 9 millions viennent d'être dilapidés par un seul individu oyo to kozala capable ya kokanga été nous avons gagné quoi? Le Congo a perdu le Congo a perdu, le peuple congolais va perdre et au-delà de ça ce qui justice est kangaka mutune ti oyo na justice tous ans il y a eu une réparation au yibimbongo ba koluka ba koma na point pour saisir ba bien na yo oyo za na valeur wana ba sala ngo vente aux enchères on a boyi ko restituer na l'état on a mbongo ke ezonga plus de 5 ça à peu près 6 inspecteurs il y a inspection générale Mutubate ça va lobby tambo mwamba a volé maintenant aujourd'hui mbongo ni kena mai il y a qui on est en Belgique na Mali et surtout vendre kana mulungi awa alors tout à fait to komi ba to passe a ololi biso lobby bazoba na zobi bango a moni biso ba yuma moko boye a yibilar na biso akiri et avant ndiko na za lèse sikoyo awa ya kuchai biso mutuma kasi mwa buzoba moko boye monsieur Stéphane o kongolité la ko benga ko tunga sote pona kutuna mama kongolité ke natika tuna tikate po soki o benga ya mbalo telefone jaja na enregistrement o benga na enregistrement mbala moko na publier yo ozomon donc ce sont des bêtises oyo des fois ba to ba comprendre te très bien ba to ba comprendre te ponga na ibiki kongo mboka na ngai ya bakoko makile ko ganga non ça n'importe quoi t'es très bien voilà donc je crois que si s'avère que Alexis Tambo Mwamba a accueilli pour na ko joie nationalité belge ça doit nous interpeller à nous et interpeller aussi à les congolais et à nos législateurs de revoir aussi certainement la constitution puisque notre constitution comme nous l'avions dit au départ taille sur mesure il y a des lois et ça qu'il faut favoriser bato mosusu et dans les marambuya sénat toto lo mosusu c'est matata ponyo déjà avec ce qui a été fait au niveau il y a sénat c'est des sénateurs qui n'ont pas voulu livrer monsieur matata donc ça laisse à désirer donc il y a beaucoup de choses dont il faudrait faire de voies et moyens que nous ayons une constitution autrement élaboré par le peuple congolais et que ça a été même ma nationalité wana ce que ça dirigeait en Boka donc au qui jamais ko linga quoi que ça la nationalité mususu puisque il faut verrouiller certaines choses Noël Chani l'a dit et comme nous l'édition sur Redem TV officiel que nous sommes en train de soutenir cette proposition il y a Noël Chani pour protéger elle est la meilleure de propositions c'est une proposition qui nous aide ils ont sunga biso ils ont épargné biso na détournement moko ya mabé tout à fait et voilà on passe directement na point na biso ya suka gouvernement congolais a décidé ba prix ya biloko ekita mais fait fédération d'entreprise eboyi telemeli mamonyo swana gouvernement bloqué. Ouais, et pourtant qu'il y avait une réunion qui a été organisée entre les ministres de l'économie et également responsables d'entreprises, la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement ne peut pas prendre des décisions sans pourtant consulter ces entreprises-là, puisqu'il faut qu'il y ait un contrat entre le gouvernement, avec ces entreprises. C'est comme ça que ça s'est fait. Le gouvernement ne peut pas imposer un prix direct à ces gens-là, à ces entreprises. Mais il y a eu des réunions qui ont été organisées. Et après les réunions, on a levé l'option de pouvoir baisser les prix. C'est pas que le gouvernement, la nous a dit, oh, t'es comment le gouvernement? Bon, c'est cette qui connaît, hein? Je suis plus naïf. Alobi, bon, pour les jeeps, on donne aux députés des jeeps gratuits. Et maintenant, pour baisser les prix, on impose aux entreprises. On n'a pas imposé aux entreprises. Il y a eu un traité entre l'État congolais. Quand je parle d'État congolais, je parle du gouvernement en général, mais également, c'est lui qui est le ministre du tutelle, le ministre de l'économie. Ils ont échangé avec les entreprises un protocole d'accord qui est mis en place là-bas. Voilà maintenant ce qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qu'il y a eu par après? La politisation. C'est-à-dire, on ne veut pas... les entreprises en question veulent avoir plus de... Comment on appelle ça? Ils veulent être beaucoup plus rassurés. Puisque l'État s'y porte des charges. On attend le transport. Quand l'État fixe les prix des transports à 500 francs. Vous voyez? L'État a mis tout sur place. Et...
quand il met par exemple le prix 500 francs, il y a des charges que l'État, n'est-ce pas, à Zouaka. Pour que ceux qui ont fait l'État, où ils allaient la circulation, ceux qui l'État mais qui ont imposé peut-être prix au-delà, où ils ont équilibré quoi, le prix qu'il faut, quoi, où il y a assez. Et que la population a remarqué le corona, la population va s'enflammer, il y aura des gens qui vont en parler et ça sera beaucoup de choses. Et qu'est-ce que fait l'État? L'État impose, il met un prix et il supporte certaines charges pour permettre à ce qu'on puisse alléger certaines choses. Alors lorsqu'il y a eu cette protocole d'accord entre l'État congolais et ses entreprises, l'État supportait ma charge Moussoussou. Vous voyez ce qu'il y avait? Ils disent ça, je supporte à tel pourcent. Et là, voilà, oui, vous êtes au salaire, maintenant, entreprise, il y a aviation, ou après, vol. À l'objet, l'État congolais, lui, moi, je vais prendre 50%, vous allez prendre 50%. Mais attention, dans 50% où l'État jouit, n'est-ce pas? L'État doit donner des garanties fiables dans l'entreprise. C'est-à-dire quoi? Puisque les entreprises payent à l'État des taxes, ils payent à l'État des impôts, ils payent tout ce qu'il faut à payer à l'État. Il faut que collaboration est à la malade. Donc, ce qui fait qu'il y a eu cette collaboration, mais il se peut que. Entreprise, on a Moussoussou, Bazali tellement rassuré, ils veulent qu'il y ait encore plus de garanties. Et nous avons vu un communiqué, et l'équipe, que ces gens ne veulent pas ces prix qui a été fixé. Par exemple, carton, il y a Soso, où ils ont eu 28 dollars, si je ne me trompe pas. L'État va discuter entre l'État et les entreprises en question, va réduire on a 10 dollars. L'ongo est à peu près 18 dollars, l'icolo. Vous voyez? Donc les 18 dollars qui est l'ongo, on a. Quelle est la garantie de ces entreprises qui produisent, ces entreprises qui achètent et qui importent? Vous voyez un peu ça. Donc, c'est en quelque sorte, il y a la part de l'État, il y a la part de ces entreprises. Sauf que l'État, ça lui a vu que ça, là. Mais il faut pas qu'à ces entreprises-là, mais qu'à créer ce que nous allons appeler, ça peut créer des catastrophes. Parce que vous m'avez dit que vous traitez Félix Tshisekedi un prometteur. Ou, je me souviens qu'il y a un réseau social lobby. Et à combien il a dit, mais Félix Tshisekedi, c'est Azali, Moto Alingi, qu'on promet Ming sans qu'on réalise. Il y a même un député national, et provincial, pardon, dans Nord Kivu, qui a traité le président Félix Tshisekedi d'un menteur. Non, ce voyou-là vient d'être arrêté. Il est arrêté. Il n'est pas digne d'être appelé député, c'est un voyou, tout simplement. Il a traité le président Félix Tshisekedi d'un menteur, et aujourd'hui, il est aux arrêts. Alors, on ne veut pas faire en sorte que l'on croie que Félix Tshisekedi est un menteur. Il n'est pas menteur puisque il a promis les gens qu'il va résider à l'est de la République. Aujourd'hui, il se trouve à l'est de la République. Tu sais quoi? Les gens qui disent que Félix Tshisekedi est un menteur, et c'est de la mauvaise foi, c'est de la haine tout simplement. Kabila la kabi sous 5 chantiers, 5 chantiers, nous sommes dans les matins, dans les bandes. Asali 5 chantiers dans la Kinga 4. Asali y a yet. Kabila chabi sous market ya kotongi sous Dubaï na Congo. Atongi yango na Kinga 4. Atongi yango awa. Non, que les gens cessent avec de bêtises pour nous distraire. Biso, vous savez, ma Kambotali entreprise, s'il y a un État ou un pays où les entreprises viennent jouer. C'est un RDC. Très bien. S'il y a un État où les entreprises, où les investisseurs, c'est un RDC. Les gens peut-être seront estomaqués à Makamnaolo. Dan, où il y a Dan à minerai. Dan Hitler. C'est un ami à Kabila. Il y a des blocs. Aza va bloquer. Imaginez, Azio bloque par exemple la Katanga, une année après Ateki Yango. Au-delà, Azio est moins cher, Ateki na cher. Et mon tout Azio qui paye était, Moninga Kabila. Toki na pétrole na moindre. Azio pétrole na moins cher. Ateki Yango Bangolais, na cher. Or, ce qui est à la Congo, Rwanda, Balamoko et Angola, on aurait à gagner beaucoup d'argent. Dans ces pays, ce qui est un il faut pas qu'on ait un pour les locaux, c'est Kabila. Kabila nous a détruits sur le plan économique. Puisque tous ceux qui venaient pour investir en RDC dans l'égalité, Batika n'a jamais qu'à investir comme il se doit. C'est normal. Vous l'avez dit? Batika jamais qu'à. Il y a un investisseur, Jean-Claude Katené de Lazado l'a dit. Un investisseur est venu investir en RDC. Aya le bi bo pesanga compte bisirani na revirele binombongo. Ba yibisi a mamba compte ezate yaka kotika ngona présidence. Donc yaka nango Olandi. Et
tant direct, en liquide, quoi, en liquide. Il n'y a qu'à retirer un moment la présidence. Quand l'homme a refusé l'obligation, il y a eu ça qui a investi à Wate Kende. Et ce n'est pas le peuple congolais qui a intéressé Bango. Et c'est qui Bango. Climat économique, climat d'affaires. Ce qui est béba et béba et béba, c'est Kabila la batounaye. Les entreprises que nous avons dans notre pays, Bazana Fek, Fek est dirigé dans Nani. Albert Yuma. Assié Jaka na Egal, Yaolev Lemb, Azo dirigé Kuna. Albert Yuma, Chani, Noël Chani, Alobi Assié Jaka Lissou, na conseil d'administration, ya banque, ya BCDC. Albert Yuma Mokomokwana, na Jekamine, alors Azalaki PCA, en même temps DG. Albert Yuma Mokomokwana, na FEC, donc l'unique intelligent que nous avons. Bref, il était le caissier ou la boîte à résonance ya Kabila. L'unique intelligence dont lui-même a dit, a reconnu que hey, non, je vais jamais gérer. Aye kouyo koulouba souka ke bakosa bango. C'est qu'il n'a jamais été intelligent et compétent. C'est quelqu'un qu'on devrait commencer par arrêter. Aux Hollanda. Et maintenant, la même fête. Les entreprises qui sont en RDC. Quelle entreprise est engagée congolais et que congolais a touché congolais yassé, a touché 250 dollars. J'ai doute. Les entreprises aux Anambo cannabis et engagées par Congolais. Et Congolais assez. Elles ont touché 250 dollars. Et ça, c'est que les Congolais ont eu 1500 francs. Ils ont eu 150 francs. 1500 francs. Les jours. Et ça, dans l'entreprise, ils ont eu un journalier. Ils ont eu 3000 francs les jours. À Salim Moussala, tout en étant debout du matin au soir. Heure ya musala ezalakati. Nos entreprises, kende na bas entreprise, na entreprise tuna syndicat ezalakati. Wana lokwa liboso. Kontra entreprise tuna statut ya ba travailleur. Ezati. Tuna bango prime de risque ya ba travailleur. Makambo etali ya bakaya ba maladie. Makambo etali social ya ba travailleur. C'est déplorable. Nos entreprises, dans ces entreprises, les Congolais sont très mal traités. Dans ces entreprises. Est-ce que l'entreprise, sur le plan Yambongo, il y a un colonango. Mais sur le plan juridique, il y a un Congolais. Un Congolais a sali entreprise juridiquement, il y a une entreprise, mais l'entreprise a un mondial. Sur le plan Yambongo. Ces entreprises ici, ce qui t'ont dit que yango en termes de traitement y'a travailleurs, en termes de paiement y'a d'impôts, en termes de déclaration y'a revenu na bango, il y a boire à manger. Tout à fait. On l'a constaté récemment avec Vodacom. Il y a boire et à manger dans ces entreprises. Ce sont des entreprises au sous d'autres cieux, là où il y a du sérieux, là où il n'y a pas de magouille comme ça ne se fait dans le régime y'a Kabila. Et ça peine, l'entreprise a une scolarité, une matière d'éducation, création de routes, une matière de santé, en matière de coton à la cité. Mais ici, chez nous, l'entreprise n'est pas télécommunication. Ils ont salani. Et je n'ai pas vu une entreprise de télécommunication au salango. Mais sous d'autres cieux, ils ont dépensé un bon. Tout ça, le départ était biaisé. Le départ, il y a l'entreprise qui a été biaisé. Avec le régime de criminel au Yakabila. Biaisé. Tout et béba qui va partir à Wana. Bah, il y a un côté tissu économique. Bah, il y a un côté magoui. Bah, côté réseau. Bah, côté le connu sur Amabé. Tino wapé l'élo. Le gouvernement n'a pas bateau bazan maël. Le gouvernement congolais sait très bien que ceux qui t'ont quitté ce bateau n'ont pris oyo. N'a oyo ba gagné kanamboka oyo. Bah, ou gagné kaka. Hassan. Les colonies sont bons pour le marché. Ngobila koto azo bendaye azo marché. Marché. Yé koto le bengai. Pourquoi?
les intérêts. Tu es pas aligné par Congolais, pas cassé. Tu es aligné par la Tchango, tu es caramingi. Tu es aligné comme ça, il s'est pas Congolais. Mais ça, là, qui m'a dit, là, ces deux-là, excusez-moi. Les deux-là, je les traite des gens. Non, c'est que Hassan, c'est que marché à ça, les gens n'ont pas ça, ton lébis, son marché, malade. Depuis 2006, ça, on y a Tonga. À Tonga, tu es. Depuis, il n'a pas construit le marché. Hassan n'a jamais construit le marché, Zan. Depuis 2006. Il a construit. On a mis les bases au bout. Kasi po ya liemingit, wala pa yung recupere. O bungi si ko. Bimisa. Eza po azo gagne mingi place wa. Tout à fait. Tous ces gens qui viennent investir dans notre pays, ils ne viennent pas nous faire de beaux yeux. Non mais détrompez-vous mon ami. Ils ne viennent pas nous faire de beaux yeux. Ils viennent gagner. Un chinois, récemment, déjà ma bengane ba chinois nambo kanabiso. Ba ya plus de 150. Imaginez que tu as plus de 150. Bah, un appartement dans la ville. Bah, vendre la rendre dans le dortoir, dans le maquis, hein, dans le mbeto. Et ces gens-là, dans le magasin, dans le bango, bah, ça, nous sommes allés. Deux ans, une année après, ils sont des patrons. Les Congos, il y a de la manne ici. Ces gens-là prient chez eux Bouddha pour venir au Congo. À Koya, on a un mabéli, on a un zélu, on a un banga, on a un fleuve, on a un pastoré, on a un matari, on a un banga, on a un gravier, on a un tout. Et les gens qui construisent tous les jours ici, c'est de l'argent. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont des milliardaires. Et tout le monde est là. Oh, parce que ça va Thompson, parce que ça va Losso et consorts. Vous payez combien? Ce que vous avez servi, c'est un service. Et le coup, on a un salaire. Kabila na tango na ye nesika ya biloko ya ba Congo ya l'état congolais ezala normal ba ngomba bomi gamane ba sale egale na olive ba sale ya bango. Donc eux on a connu un pays qui a été dirigé par le commerçant. Il n'y a pas eu de dirigeants dans ce pays, mais il n'y avait que des commerçants. Je vais expliciter mon analyse. As a président de la République, Nesika a tchami bien kopo na mboka kende liboso, ye aza konate. Nesika contraint de batouan aza konate. Azo utilise pouvoir ya l'État pour a gagner mbongwe pa ya batou. Ye pe a investir na compte na ye na bana na ye. Bak azo mbongwe belé. Et na ba dirigeant, na ba commerçant, ba on se ba commerçant, ba zo te que le peuple congolais. Et le peuple t'est abandonné à son triste sort. Voilà comment notre pays a souffert. Donc aujourd'hui, FEC veut cracher sur les efforts du président Félix Tshisekedi. Je demanderai au président de ne pas reculer. Non, mais du moins de ce côté-là, je vous connais que vous ne reculez pas. Je demanderai également au gouvernement Sam Alukonde de satisfaire le peuple congolais. Ces gens-là volent beaucoup dans ce pays. Tout à fait. Ces gens-là étaient hier protégés par des soi-disant hommes forts. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus continuer dans le statut. C'est des choses qu'on dénonce. Comme le gouvernement s'est décidé pour qu'on ait quitté sa bombe. Et le qu'on ait quitté sa bombe, il y a une marge. Il y a bénéfice au bango babanda kosu. Bamoni a to koma soit milliardaire te. To komi o koma na état normal. Etant to kota na état normal bo ebiso to ko père. On s'est retrouvé les autres. To ko s'est retrouvé to gagner le sous mingité. Ba tarif ya ba vient bimi hein. C'est bien bon. Au monde. Alors le gouvernement congolais. Il est maintenant temps. Tala siko biseka na dindaka siko. Biseka siko Edem TV. Bo zolanga Edem TV. Biseka siko Edem TV. Mais c'est Edem TV officiel. Et il y a un salam sal. Est-ce que vous avez Edem TV? Merci beaucoup d'avoir Edem TV. Edem TV parle des intérêts et ce qui intéresse le peuple congolais. Tout à fait. Et le temps, c'est une opportunité. Oui, que Batouana a besoin le gouvernement. Le gouvernement a l'obligation maintenant de créer un service. Il y a un marché public. C'est-à-dire quoi? De créer ses propres entreprises. De créer ses propres supermarchés. Il est temps. Le gouvernement peut mettre en place un supermarché. Le gouvernement a toutes les possibilités. Il y a qu'à importer l'osso. Le gouvernement a toutes les possibilités. Il y a qu'aux est. Qu'aux mabdesouna. Il y a qu'aux est.
puisque le supermarché que nous avons aujourd'hui dans notre pays est belleza avec expatriés. Ces gens-là, le coup là-bas, l'économie n'a pas besoin d'un qu'on a bango, bah qu'on l'a imposé. Mais si le gouvernement sali bangonde nga sala kaba toi 207, il y a qu'on créer Transco, ni à qu'on longa bango. C'est-à-dire le gouvernement doit commencer par créer ses propres entreprises, à créer domaine à l'osso entreprise telle. Domaine à Massango, entreprise, établissement tel. Domaine à Biloko, Monsieur, tout établissement tel. Biloko, établissement tel. Place à Banaro Kendelebosso. Avec les poissons que nous avons dans Bamaï et Nabiso, on a une entreprise. Il y a pêche. Il y a poisson. Il y a et Kangi Bapmbis. Et il y a Nango et Tiango na supermarket. Si Paul Market durci. Santé d'anglais. Sentir, hein? Bandela, bandela, bandela. Simple market, d'ici. Eh, obéti à vous. Et Chiwana. Mani DRC. Voilà. Et Chiwana. Mais, ministre, moi, ça l'a rappelé. Ce sont les Congolais. Ministre, ou oh, Yakala, oh, oh. Ministre, y'a. Je crois, industrie, Yakala. Jérémy Kambing. Consommant Congolais. Consommant Congolais. Abandara, moi, il est au Congo, y'a Jérémy. Azana Kabil. Azakala idée est bien. Hein? Idée ça qui est bien. Ouais. Mais Azakala tissini. Ah ouais. Il y a des détourneurs. Ouais, ouais. Il y a des pilleurs. Mm. Ah ça laisse à désirer mon ami. Ouais, ouais. Donc le temps au gouvernement il faut encourager surtout d'autres compatriotes congolais. Tout à fait. Oh bah ko zala la mulongo na ye ba investir. Et puis Asunga. Après ça mangoba titre d'exonération. L'entrepreneuriat aussi. C'est ça ce que je dis. L'entrepreneuriat local. Là voilà. Et attends ce qu'il faut soutenir yango kota la ba compatriotes congolais. De père et de mère, ou de père 50%, bah, mère et wana, bah, père et bah, on va percevoir ce qui tout passe. À soutenir, bah, tout n'est tout. À soutenir, bango, puisqu'il va créer ce qu'on appelle des entreprises publiques privées, des entreprises mixtes, il va soutenir aussi les privés pour na amekako épauler le cambo. Parce que quand on a des contraintes, bah, tout, bah, quand il y a un magasin à bango, peuple a bandé qu'on là, peuple a bandé qu'on tomboka, gouvernement comme faible, que les gouvernements passent à une vitesse supérieure très bien. Pour trouver des solutions. Très bien. Et c'est maintenant le Bobo Kabila est bien go. T'es aïe bien go. Alors, t'en go. Merci et à très bientôt. Tango Koki avec Stéphane Balamonge.